et dont 60 élèves à l'heure, puissance maxima, sans nuire à la qualité du travail fourni. Un personnel spécialement éduqué et une méthode soigneusement mise au point vint régler l'utilisation de cet appareil et permit l'enseignement de la natation à tous les élèves des premières et deuxièmes classes, garçons et filles, des 24 écoles primaires de la ville de Tourcoing. Après des débuts assez pénibles, cet enseignement rendit son plein rendement quelques années plus tard. Le travail se fait à raison de 10 heures par semaine pendant la mauvaise saison, d'octobre à fin mars, alors que le bassin n'est pas encombré par le public. Il donne des résultats variant de 95 à 98%. C'est donc 1 000 à 1 100 enfants qui, chaque année, quittent l'école sachant nager, et l'on peut estimer que plus de 20 000 élèves ont appris à nager depuis la création de cette méthode, après 19 années de fonctionnement. Un autocar attend les élèves à la sortie des écoles et les dépose à l'entrée de l'établissement de bain. L'enseignement débute par des mouvements à sec de la brasse. Les élèves sont placés sur les quais du stade nautique à la distance des bras écartés. Les mouvements de la nage s'exécutent toujours avec la plus grande souplesse possible. Les extensions doivent être complètes. Le travail des jambes se fait alternativement sur l'une et l'autre jambe, car l'une de celles-ci doit forcément servir d'appui. L'instructeur explique que dans l'eau, le travail des deux jambes s'exécute simultanément. Avant les leçons, les enfants passent dans la salle de douche. L'appareil collectif est ensuite utilisé. Cet appareil est formé de 10 appareils individuels. Chaque appareil se compose d'un fil d'acier coulissant sur une poulie à gorge, portant à une extrémité une sangle pour ceinturer les lèvres et, à l'autre extrémité, un contrepoids permettant de la maintenir à fleur d'eau. Pour cet enseignement, les élèves sont formés par groupe de 10. Groupe, descendez. À ce commandement, les élèves formant le premier groupe descendent dans la piscine et se portent à leur place respective, c'est-à-dire un élève devant chaque appareil individuel. Suspendez-vous. Chaque élève engage la tête et les bras dans la boucle que forme la sangle en la plaçant sous les aisselles, les anneaux de suspension dans la ligne médiane du corps. L'élève écarte les bras pour éviter tout retournement. Il est alors en position d'attente. En position, jambes fléchies, talons joints, pointe des pieds ouvertes. 1. Jambes écartées, bras en avant, jambes réunies. 2. Bras écartés, mains retournées. 3. Jambes et bras fléchis. 4. Ces exercices sont répétés 10 minutes environ. Changement de groupe. Pendant que les élèves du premier groupe terminent leur leçon, ceux du deuxième groupe se mettent silencieusement à l'eau dans le même ordre que les élèves du premier groupe. Changer. Les élèves du second groupe prennent la place de ceux du premier groupe sans que l'instructeur ait à intervenir. Les commandements préparatoires sont ensuite supprimés. À la troisième leçon, la cadence employée se rapproche progressivement de la cadence normale de la nage. La troisième leçon étant terminée, les élèves sont munis d'une ceinture de mousse d'ébonite. Les peureux, ceux qui n'osent pas se lancer seuls, utilisent les câbles horizontaux. La troisième leçon est repris l'élève n'exécutant pas correctement les mouvements. Démonstration de l'efficacité de la ceinture d'ébonite.
exécute des parcours de plus en plus longs sur un rang, toujours dans le même sens, afin d'éviter les accrochages. L'instructeur fait ensuite quitter les ceintures à ceux qui exécutent les mouvements correctement et sans fatigue, puis fait recommencer l'exercice. Plongeon fait acquérir à l'élève de l'audace et du sang-froid. Plongeon à genoux. Plongeon debout sans élan. Plongeon avec coup de jarret. Départ de course. Plongeon de la girafe. Les défilés. Pour l'entraînement, il est exécuté des défilés progressifs ou sans soutien de la ceinture d'ébonite. La pratique de ces défilés partage le suivant. Faire travailler un grand nombre d'élèves fois, habituer l'élève à maintenir une vitesse réduite qui est forcément basée sur la nage des plus faibles, affranchir complètement les enfants dans l'élément liquide, maintenir la discipline dans les groupements. Dans la seconde année d'enseignement, les élèves sachant nager correctement la brasse sont initiés aux